Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire ensemble, du moins, on va pas la faire entièrement. On va commencer cette petite broderie. Tu sais, ce sont les fleurs du mois. Tous les mois, t'as une fleur différente. Et donc, j'ai commencé à faire la collection, mais je ne les ai pas encore toutes. Mais là, c'est la fleur d'août. Et comme je ne l'ai pas trouvée en estampée, je l'ai prise en point compté. Et je me suis dit, bah, c'est une occasion de faire une vidéo sur comment est-ce que je commence comment est-ce que je commence un point de croix compté? Alors, 7 en 14, c'était la broderie fait 17 sur 17 cm et c'est une toile qui me vient de VIP Cross Stitch, dont la marque est Style Curry Sunday. Donc, voici les filles. Pour rappel, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va. Parce que tu sais, moi, j'aime pas quand... Enfin, non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas à l'aise. C'est surtout ça le truc. Je suis pas à l'aise avec ce genre de rangement. Mais bon, pour aujourd'hui et pour ce projet, on fera comme ça. Putain, je crève de chaud. Je vais approcher le ventilo à côté de moi. Bah oui, excuse-moi, maman. J'ai débranché le ventilateur sans faire exprès. Attends, je reviens. Voilà, ça y est. Problème résolu, revenons à nos moutons. Oh. On peut plus. Alors, je sais plus ce que je te disais. Oui, je crois que je te parlais des fils. Donc, nous avons la toile. Ici que j'ai quadrillé, je me suis un peu foirée comme tu peux constater. En plus mon crayon il bavait donc pas cool. Mais bon, approximative, c'est pas grave parce que de toute façon après ça va partir quand on va laver la toile. Donc c'est pas gravissime en soi. J'ai marqué le milieu de ma toile parce que moi je commence toujours par le milieu de ma toile. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai réimprimé le diagramme. Pas qu'il n'était pas bien fait, pas du tout, bien au contraire. C'est juste que d'une part, c'est du papier glacé, et d'une autre part, je n'ai pas envie de marquer mes points dessus parce que si j'ai envie de le refaire. Si j'ai envie de refaire cette fleur dans d'autres couleurs, ou enfin, toi, la donner, écrire à quelqu'un, tout, bah, je voulais l'avoir propre, en fait, tu vois. Donc, du coup, eh bien, je l'ai réimprimé sur une feuille d'imprimante. Et c'est très bien, hein, regarde. C'est vraiment parfait. Et je vais marquer mes points au fur et à mesure au crayon gris, comme j'ai l'habitude de faire. Faut juste que j'attrape un crayon parce que bah, tu me connais, un youtubeuse en carton. J'ai pas préparé les choses. Sinon, ça aurait été. Il aurait peut-être plu. Écoute, ça aurait été bien. Ça aurait été bien s'il pleuvait en fait. Attends, j'attrape un crayon gris.
J'en ai même plusieurs, regarde ça. C'est pas merveilleux. Donc, comme je t'expliquais, moi je commence toujours mon point de croix au milieu. Voilà, sachant que mon milieu il est ici, là où j'ai fait le petit carré, là, tu vois. Et on voit que sur mon diagramme, le milieu sur mon diagramme, tu vois, il y a un trait rouge en vertical et un trait rouge horizontal. Donc, ça veut dire que les points, ici, ils se rejoignent ici, au symbole 6. Et le symbole 6, je vois que j'ai 4 points à faire vers la droite. Donc, je vais commencer par faire ces 4 symboles ici, comme ça. Donc, je prends le fil qui correspond au symbole numéro 6. Comme ils sont intelligents, ils ont mis le numéro 6 pour le symbole 6. Au moins, ils font pas comme avec le diamant painting, tu sais. Parce que des fois... Des fois, ils te mettent le symbole 6 sur le 5 ou le 4. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je prends un fil que je vais dédoubler parce que un grand fil comme ça dans un grand fil comme ça, il y a 6 brins que tu dois séparer. Tu vois, tu as 6 points, tu as 6 brins, je sais plus parler. Tu vois, tu les vois bien, tu sais. Hop. Tu les vois bien, puis je te les fais tomber. Tu vois? Il y a 6 brins. Donc, ce que je fais, c'est que j'en attrape un. Et juste un seul. Comme ça, j'en attrape un. Et je tire dessus. Et ça vient super facilement. Voilà. Je le garde près de moi. Je vais la remettre sur ma cartonnette pour l'instant. Voilà. J'attrape mon fil que je viens d'extraire J'attrape mon brin que je viens d'extraire du fil. Hop, je plie en deux. Je le plie en deux comme ça. Ce qui nous revient à deux brins. Ça veut qu'on va travailler avec deux brins. Parce qu'une toile en 14 CT équivaut on brode avec deux brins. 14 CT, c'est count. Ça veut dire count en anglais. Et donc, ce qui est équivalent en français, avec une toile AIDA 5.5. Ça veut dire qu'il y a 5
1,5 points dans 1 cm. Voilà. Alors moi, je prends mes petites aiguilles que j'ai achetées il n'y a pas longtemps sur AliExpress. Faut que je te fasse le unboxing d'ailleurs. Trop beau ce que j'ai trouvé. Et elles sont très fines. Donc les aiguilles ont pour faire du point de croix ont un bout rond. Et il y a différentes tailles d'aiguilles. Ça va du 22 au 28. Et 24, elles sont grosses. Les aiguilles sont 22 ou 28. Donc les aiguilles sont grosses et plus tu montes et plus les aiguilles sont fines. Et donc les aiguilles numéro 28, elles sont très fines. Et je préfère travailler avec des aiguilles numéro 28. Hop, j'ai un peu trop tiré sur mon fil. Tu vois comment on a plié, ça fait une boucle comme ça. Donc je vais faire ma première croix. Ici, on a dit avec 4 croix. Donc je vais commencer. Donc je vais piquer. Hop. Moi je pique en bas à droite du point. Et je repique en bas, en haut à gauche du point. Et je retourne ma toile. Je tire jusqu'à arriver à la petite boucle. J'enfile mon aiguille dans la boucle et je tire. Mon point d'arrêt est fait. Et ma première demi-croix est faite. Tu vois? Et pour terminer ma croix, je repique en bas à gauche du point. Hop. Et je referme en haut à droite du point. Je perds mes lunettes, là c'est trop chiant. Et ma première croix est faite. Et donc, je vais rayer ma première case. Donc, je vais faire les trois cases. Les trois symboles suivants. Si tu commences à faire une croix d'une façon, il faut toujours continuer de la même façon. Parce que sinon ton travail il va être moche. Je te montre. Si tu commences à faire tes croix, tes demi-croix comme ça, si tu commences à faire tes demi-croix comme ça, il ne faut pas faire l'autre croix.
comme ça. Soit tu le fais d'un côté, soit tu le fais de l'autre. Mais tu fais pas un coup comme ça et une autre croix comme ça. Enfin, tu vois, il faut toujours les faire toujours de la même façon. Parce que sinon, après, ça va être super moche. Ton travail va être super moche. Donc là, j'aurai la croix que j'ai faite pour te montrer. Voilà. Encore une et j'aurais fait mes 4 points. Et voilà, tu vois là, mes 4 croix sont faites. Donc, je reviens à mon diagramme et je barre les croix que j'ai faites. Ensuite, je monte et je m'aperçois qu'il y a 2 6. Donc, ben, comme j'ai commencé avec le 6, je continue avec le 6. Donc, on va faire les 2 croix du haut ici. Qui sont juste ici, juste au-dessus là, tu vois. Donc, eh bien, je monte. Et pareil, je fais mes 2 croix. Voilà. Hop. Là. Hop. Et voilà. Donc, tu vois, là, j'ai fait mes 4 croix. Ici, et j'ai fait les 2 petits croix du haut, donc, eh bien, donc je les ai faites, et eh bien je les raye pour passer à la suite du diagramme. Ensuite, là, je m'aperçois, en haut, j'ai plus de 6. Tu vois, il n'y a plus de 6. Mais il faut que je redescende. Tu vois, pour faire les 4 là. Mais le truc, c'est que comment faire pour passer de ici, parce que là, ton fil, il est ici, là, au-dessus, pour passer en bas, parce que tes 4 croix, elles sont en dessous des 4 premières. Or, tu peux dire, bah, tu fais un pont, tu passes au-dessus de ce que tu as fait dans, derrière. Et si tu fais ça tout le temps, le truc, c'est qu'après, ton dos, il sera pas joli. Donc, avec mon aiguille, eh bien, je repasse dans mes points. Comme ça.
ce qui me permet. Ce qui me permet. Hop. De revenir en bas de mon travail, en bas de mes 4 premières croix. Tu vois? Mon bête. Donc là, tu vois, je vois que j'en ai 4 à faire. Ici, il y a un 3. Et après, j'en ai 2 autres à faire. Alors, comment faire? Parce qu'il faut que j'aille par là. Et après, il faut que j'aille par là. Eh bien, ce que tu fais, tu fais tes 4 premières croix en faisant juste la moitié d'une. Tu fais pas tes croix entières pour l'instant. Voilà, voilà. On se prend un petit coup de thé. Ah, j'ai encore une autre affaire. Tu vois, j'avais pas vu. Il y a 5 croix à faire de ce côté-là. Ici. Et là, je reviens en fermant mes croix. Hop. J'ai fini mes croix. Et donc ici, donc tu vois là, j'ai fait les 5. Je vais les rayer. Là, je dois sauter un point pour faire les 2-6. Et donc, pareil, je continue. Et je fais. Là, je fais des croix entières. Hein.
Et là, pour fermer ma dernière croix, eh bien, je m'aperçois qu'il va falloir que je redescende. Tu vois, là, je réussis de là. Que je redescende, mais un peu en diagonale. Donc, au lieu de faire mes croix comme je l'ai fait depuis tout à l'heure, de gauche à droite, bas à gauche au droit, il faut que j'aille là. Donc, si je fais comme ça, bah, tu vois, ça va faire un gâchis de fil. Donc, autant directement redescendre tout de suite. Essaye d'anticiper les points, en fait. Tu c'est comme en musique, tu lis la note avant que ta main fasse la note que tu es en train de lire. C'est la même chose. Comme ma prochaine croix, elle va être ici, eh bien, j'anticipe et j'amène mon aiguille directement ici en diagonale pour continuer ma rangée de 6. Et donc il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 6. Excuse-moi, je me concentre sur ce que je fais. Hop, après il faut que je saute un point. Donc là on a fait les 4, 6. On va faire celui d'en dessous. Non, on va refaire les deux là. On doit sauter un point parce que là, il y a un 5. Là, on va avoir le 5 qui arrive. Donc, on va le laisser de côté. On va sauter un point pour faire les deux 6 ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va sauter un point. Hop. Tu vois, j'ai sauté un point.
Voilà, j'ai fait les deux points. Ensuite, on peut s'apercevoir que là, il va y avoir un 3 et un 6. Donc, il faut que je saute encore un point pour faire mon 6 ici. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va sauter un point pour faire le 6. On fait pareil après. Là, en diagonale, il y a le 6 qui est là. Et on va faire 3 points. 3 points au 6. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le faire avec toi, toutes ces parties-là où il y a du 6. Ici, il y a plein de 6, mais c'est un peu loin. Donc, on va attendre pour les faire. Donc là, pareil, on va faire les 3 points ici. Toujours les croix dans le même sens. Là, j'ai fait mes 3 points. Je verrai. Je saute un point pour faire un autre 6. Voilà. Après, il faut encore sauter un point. Parce que là, il va y avoir le 5. Donc, je re-saute un point. Et je re-saute encore un point parce que là il va y avoir le 9. Donc là je fais le dernier 6 de
de ma ligne. Attends, je reviens. Attends. Je suis désolée pour ce bibou. Bibou m'a appelé, donc du coup, là, j'ai répondu. Et en parlant avec Bibou, du coup, j'ai terminé la petite... Bah, tu vois tous les 6, là. Donc, je vais te montrer comment j'arrête mon fil. Là, je termine ma dernière croix. Je tourne mon ouvrage. Et en fait, tout simplement, je vais passer dans les points arrière de mon ouvrage. Je tire et je coupe. Là, pour le restant du fil, je vais le garder. Je vais le garder. Donc, pour faire les autres 6 après. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. Mes pilous. Donc voilà ce que ça donne les petits bouts. Ensuite je pense que je vais faire le milieu et puis après je ferai le tour comme ça de la fleur au fur et à mesure. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là sur ce point 3 on aurait pu faire la méthode du parking, mais bon, pour un tout début je trouvais que c'était plus facile. En fait la méthode du parking ça te permet d'éviter, tu vois, les points qui sont encerclés. Parce que quand tu as des points encerclés comme ça, c'est plus difficile à passer ton aiguille. Mais bon, pour une première comme ça, ça va vraiment envie de faire une petite vidéo débutant. Donc, voilà, mes petits loups. J'espère qu'en tout cas, ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisounours. En espérant voilà que cette vidéo vous a plu d'une part et que de deux, eh bien, elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit en commentaire, en mail, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Toute question, n'importe quoi, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et on se dit à tout vite.